salle, tout le monde en ayant enfin un autre, sur l'enclave. Vous avez sûrement vu là? La matraque extraterrestre, le pistolet à plasma. On a dit le pistolet extraterrestre, mais non. Dans les rats, dans vos rêves, si vous avez dit ça, yeah, un pistolet extraterrestre, non. Ça utilise des munitions, là, qu'il y en a juste des limitées dedans le jeu. Il y en a genre 205. Il y en a genre dans 200 dans le jeu, puis il m'en reste genre d'un 100. Big time. Le Ant Agonizer. La fourmi en agonie. Toujours plate. Un autre de même, comme tout à l'heure. Viens-t'en, connard! Merde, non. Techniquement, le SVV, c'est un peu un mode cinématique. Boom. Boom, boom, baby. Donc, je sais pas super. La vidéo va sûrement durer encore moins de temps que la dernière, qui est la plus courte. Vous voyez là, la ville là, c'est plein d'esclavagistes, il y a plein d'esclaves. Je pensais que c'est mes parents qui descendaient pour me dire de me coucher, mais non, c'est la bus. What? Ah oui, merde. À un moment donné, il y a un jaguar qui est arrivé de nulle part, je pensais que c'était un écorcheur. Parce que je venais de sortir d'une ville remplie d'écorcheurs qui s'appelle Old Only. Old Only, je remplis d'écorcheurs. La seule raison, la première fois, avant j'ai été genre quelques fois là, genre la première fois c'était pour un, parce qu'il y a une armure à cité unique qui quand on a des medics sur nous, elle va nous en injecter
automatiquement. C'est comme il y a un effet légendaire en Fallout 4 puis Fallout 76 que moi vous dire si vous avez une pièce d'armure qui a cet effet légendaire là, ne l'équipez pas. Mettez-le dans votre cage, jetez-le ou vendez-le parce que moi je me rappelle j'en avais un. Ça, quand tu auras vraiment besoin de tes Steam Packs, là, ça te les aura utilisés automatiquement. Paradise Falls, je vais vous dire, la seule raison, la première fois que j'ai été, c'est pour une tenue d'Auri, mais que elle, genre une BD de Fallout, pour avant que Fallout 3 sorte, que genre, quand on dit Fallout 3 sorte, je dis que tout le monde peut se l'acheter. D'un gars de cet abri-là, je me rappelle plus, c'était journée 70, là, l'abri, genre 73. Boom, boom, baby. J'avais fait un carnage ici parce que j'ai une arme qu'on a ici. Vous voyez ce gros-là? La grosse statue là, qu'on avait vue tout à l'heure, c'est son avant-bras qui est tombé. C'est pas bien ça, c'est des esclavagistes. Oh merde, il y en a un avec une minigun. Bye bye la minigun. Je suis indestructible. Toi. Boum. C'est tellement fafa. Dans un ordre, dans un concept art, qui ça veut dire de l'ordre concept, c'est genre des dessins de des concepts, des jeux vidéo. Puis dedans, il y a une image de Paradise Falls, où est-ce qu'il y a un cadavre d'un soldat de la confrérie. C'est quoi l'idée d'envoyer juste un soldat? Genre ça fait pas de sens que nous on est juste un, on est capable de d'envoyer un enfant une armée complète mais les autres sont pas capables. Ça fait pas trop de sens. Vous voyez ça, la désintégration? Oh, pas lui. Lui, c'est le big boss. Merde, mon casque est pété, mais je peux toujours l'équiper.
suis Magnum. Que je dise ma façon de penser. Bon, c'est pas si t'as vu, mais quand même. Ouais, il y a un gars. Oh, ça, c'était badass. Pour le monde. C'était. Ah, oh, c'est elle, Madame Magnum. Paradise Falls tombe plus vraiment. C'est plus Paradise Falls. Je pense que c'est stupide, niaiseux, et puis plus tard. La seule chose que j'ai trouvé qui rimait avec Paradise Falls, c'est Paradise Balls. Mon ami, j'aurais dicté de quoi? Il y avait un cadavre de... J'ai évidemment besoin d'une clé. Il use a sale con. Franck. Franck, toi non plus. D'accord, premier, son nom c'est Franck. Je l'ai pas, genre. Je l'ai pas laissé vivre. D'accord, premier, Franck, toi non. Boom, baby. J'en ai eu dans Fallout 4, je pensais qu'elle fasse ça. Mais genre, il y avait un peu des extraterrestres qui allaient venir. Ok, stupide. C'est la brise 77.
C'est vrai. J'étais proche, c'est dans les 70. Voici le gars qui fait un gros massacre dans toute une population d'esclavagistes. Il est tout tabassé, ceux qui travaillent en esclavage. Oh, merci, John O'Boy. Je m'en rappelle plus c'était quoi ton nom, mais quand même. Merci pour ta clé. J'espère que je pourrai débloquer. Mais vous êtes libre! T'es con, quoi? Je pense que leur colis va tout exploser. J'essaie ça parce que... Fallout New Vegas avec la confrérie. Genre, il arrive, mais il nous donne un colis d'esclaves. Puis si on s'éloigne trop, notre colis fait. Boum. Pas une explosion nucléaire, mais la tête de notre bonhomme est capote là, après. J'espère que vous aimez la série, sérieux. J'espère pas que vous genre regardez le début et puis que vous mettez à la fin. Vous voyez la tenue de la vie. 77. La brise 67. C'était, il y avait juste un gars dans la brise. Qu'il y avait genre une boîte de marionnette. Là, il est devenu fou. Là, genre, juste avec la marionnette Volboy, il a tabassé plein de pillards esclavagistes. Bon, mettez un like, abonnez-vous, bye bye.